164 qui se barre tout de suite. Il s'agit d'Antoine Boucher de Victoriaville. Oui, Antoine Boucher, le numéro 164. Normalement, on le connaît sur le numéro 8. Mais Antoine Boucher est notre meneur. En deuxième position, sur deux, j'ai convaincu le 500. On va regarder, on ne laisse surtout pas vous mentir. Encore une fois, on rappelle aux gens que nous ici, on décrit les courses, on regarde, on vous donne les résultats de notre mouvement. Les résultats qui sont toujours en train de on va numéro 375, c'est Marc-André Dion. Et demain, j'en remarque, parce que nous, on est au courant, souvent, un pilote peut avoir une pénalité, on peut décaler des positions. Alors, nous, on vous donne le contenu visuel. Ouais, et les positions officielles sont toujours affichées. Prêt à rouler de course TTT. Ça s'est resserré au niveau de la première, la deuxième. On a même eu un dépassement, on a changé une valeur. On peut assister encore les dépassements, là c'est très très proche. On voit une belle bataille pour la troisième. On a deux pilotes en roue dans roue pour la troisième. Belle avance, hein? On vous rappelle que le top 2 va directement en finale pour les autres, ça sera une course de consolation en ligne. Il faut pas, on passe pas à l'erreur. On a vécu ici le 325 et qui est en train de petite sortie de piste juste devant vous pour le spectacle. Thomas La Tulipe. Effectivement, 325, Thomas La Tulipe de Québec. En première position, on est confortable pour la finale après l'issue de 325. Dans la position, en effet, il faut le faire pour le spectacle qui est en. Alors attention, oh, c'est bien, on est en dépassement à l'intérieur, c'est un peu proche. Alors les deux premiers qui sont quand même dans des positions relativement confortables, alors on s'assure une course finale dans l'après-midi, on n'aura pas à donc faire une course supplémentaire pour se qualifier. Alors on garde le top 2 et pour le moment, le top 2, ça va bien. Et là, l'avance, hein? Oh, on entend la foule en délire ici. Que se passe-t-il? Une victoire ici du numéro 1. Donc, on voit ça.